On peut commencer la vidéo là. Commençons. Mais est-ce que c'est allumé? Ça a commencé à tourner. Booba, comment? 1, 2, 3, action. Tu as Zazio. C'est l'ami de Pou qui s'appelle Izzedine. Lui qui a mangé dans la dernière vidéo. Non, lui qu'on a dit qu'il a mangé. Il est mangé. Il est mangé. Bon, tu es prêt? Voilà, allons-y. C'est la deuxième édition, on avait fait. De quoi? Des stars. Oui, partie 2. On avait fait la première partie il y a quelques mois. Épisode 2, saison 1. Donc, partie 2, j'ai dit là. Faut commencer. Le décor a changé, vous avez vu là. C'est ma deuxième maison. Il m'aime. C'est la deuxième maison de ma maman. T'as ta maison. Et même au Ghana. Héritage à Zabouki. Quel étage? Héritage de maman. Héritage de maman. Ah, c'est pour qui? C'est pour toi? C'est pour qui? Mais Yessi naît avant toi. Normalement, c'est pour moi. Partout dans le monde, là, c'est lui qui naît d'abord. Là, c'est lui qui prend l'héritage. C'est pas le plus petit qui prend l'héritage. Pourquoi c'est donc pour nous, notre famille, que c'est toi qui vas prendre? Pourtant, c'est toi qui es né le dernier. Comme héritage, c'est en fait, c'est basé sur les préférés de la famille. Mmh. Moi, je suis le premier. Maman connaît pas testament. Toi. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, fait des testaments à ce moment. Donc j'ai gagné. Ah, il y en a qui prennent au pire. Ah, faut laisser, papa. C'est un bon, bon prendre. Faut laisser. Elle est débrouillée. Moi, je ne suis pas comme toi. Moi-même, je me bats dans la vie. Nous, tous, on se bat. Hein. Toi, tu te bats avec où? On se bat avec Ghana, avec Côte d'Ivoire. Ok. Tu transpires. Henri Jo, faut nous envoyer Lotus. Il fait chaud dans sa loi. C'est l'assistant. C'est l'assistant. L'assistant de production. Oh, voyons, tu sors. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait trop chaud chez toi ici. Ah, sinon, toi, tu pourrais. Moi, j'ai moi au Ghana, climatiseur est toujours allumé. Ah, mais justement, ah. Lui-même, il pourrait climatiser ici. Je sais pas pourquoi. Ici, il fait chaud comme ça. Climatiseur, ça coûte combien? Combien? Ah, comment c'est? Climatiseur, ça coûte combien? Ça coûte combien, bon fils? Je suis pas un bon fils. Si je viens, tu climatises. Faut parler à ton ami, là. Ton ami, là, faut lui parler. Ok, il n'y a pas de souci. Tiens, faut allumer ton téléphone. Ah, tu es revenu à Loïc. On m'a dit que tu l'avais laissé. Ils sont qui c'est Loïc là? Oui, je l'avais chassé, mais bon. Toujours en train de faire des erreurs. Non, maman, hey, il m'a fait faux. Hey. Il a fait live sur Instagram pour mettre la vie de Loïc dehors. C'est faux. J'ai dit que je vais le changer. Je ne l'ai pas dénigré. Bon, c'est pas, mais c'est pas bien. Il me livre. Quelle équipe qui gagne? Quelle équipe qui gagne? Oui. Et puis les abonnés qui kiffent bien Loïc. Il y a ses commentaires bête, il met en bas là. Il va faire ça. Mais il me donne pas mes vidéos à temps. Pourtant, dès que le premier du mois arrive, je lui donne son salaire. Mmh. Loïc, toi aussi. Ah. Ça va travailler. Les parce que vous défendez Loïc, mais vous savez pas ce que Loïc me fait. Il exagère aussi. Et toi, vous avez commencé ensemble, vous terminez ensemble. Je n'ai pas commencé YouTube avec lui. Quand il a commencé YouTube. On a duré ensemble, je veux dire. Non, pas du tout. On n'a pas duré ensemble. Mais. Ça fait 4 mois. Mais donc, durer ensemble, c'est mieux que de changer, changer. Moi, j'ai dit, tu le connais ou même Loïc là, et puis tu le défends. Mais en fait, lui, bon. Toi, tu connais pas le concept de fidélité, c'est ça ton problème. Et c'est dans tout, hein. C'est pas seulement que. Qui connaît pas le concept de fidélité? C'est à cause de lui, tu as mes paroles, par ça là. Bon, générique. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. C'est ça, non? De nous, plus. Ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Kevin Aubin. Comme vous le savez... Avant de commencer la vidéo... Avant de commencer la vidéo... Je... Ah, t'es derrière encore. Je me lève. Quand tu fais... Tu es balade. Toujours, toujours, c'est toi. Tout ça, c'est mon travail. Avant de commencer la vidéo, les filles qui me regardent, regardez ces mèches-là. Ayo, hey. Regardez ces mèches-là. C'est des mèches vraiment d'une qualité impeccable. Je n'ai jamais fait partenariat de mes chiens. C'est la première fois. C'est la deuxième fois que je vous parle d'elle parce qu'elle mérite. Regardez la fluidité. Je suis allé là-bas, j'ai filmé. Regardez la fluidité des mèches. Franchement, ces prix sont négociables. Voilà, voici le numéro. Faites la capture, appelez-la. Elle est d'une gentillesse et d'une sympathie remarquable. Et c'est surtout la qualité de ses mèches. Voilà, ma petite soeur, ce mèche, Noura, ce mèche là-bas. Noura pose ses perruques là-bas parce que en même temps tu mens la famille, moi maman, je fais pas papa, de publicité mensongère. Il ment, mon cousin, moi, Willy, tout le monde. Il ment, mais on va faire. On n'a pas encore fait, mais on va faire. Donc c'est ma petite soeur Noura, celle qui va là-bas, mais vraiment elle fait des baby hair, elle vend plusieurs qualités de mèches,
plusieurs couleurs, donc c'est la période. Et puis, elle n'est pas si chère que ça, au contraire. Ses prix sont abordables et négociables. Donc, c'est vraiment le magasin dans lequel vous devez aller vous procurer vos mèches. Et vous savez que moi, je ne fais pas de publicité mensongère. C'est vrai qu'on me paye, mais je ne vais pas faire un truc. Je vais pas parler d'un truc qui n'est pas bon, en fait. Parce que... parce que ça va retomber sur toi si c'est pas bon. Et je vous connais. Voilà. Bon, on va commencer la vidéo. On commence. La dernière fois, on avait fait une vidéo où on parlait des stars, des célébrités. Cette fois-ci, là, on va opposer trois célébrités. On va dire... C'était la même chose, mais sauf que c'est... on va dire que ce sont les trucs qui changent. Les critères. Il y a une célébrité avec laquelle on... On avait dit quoi? Tu ne bosses pas tes vidéos. On avait dit il y a une célébrité avec laquelle on... Toi qui bosses là, faut dire. Il y a une célébrité qu'on toise. Genre, on regarde mal. Hey, hey. Voilà. On va... Hey, quand on se tait, Henri Jouel. C'est le neveu du mari à ma maman. C'est maintenant on se connaît, mais qu'on n'est pas fort, il y a lui fait là. Donc... il y a trois célébrités qui seront opposées. Une célébrité à qui on pourra demander de l'argent. Une célébrité qu'on va toiser, genre on va l'ogner. Et puis une célébrité... qu'on va marcher avec. Non, non, une célébrité... oui, oui, qu'on pourra marcher avec. C'était pas ça, mais oui, ça c'est bien. Donc, voici les trois premières célébrités. Tu as compris le principe? J'ai compris le principe. J'espère aussi que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Au fur et à mesure. Hey, Henri, joins ton téléphone là. Il n'y a pas code, mais. À plus milieu là. Ça, c'est iPhone combien? iPhone 7 plus. Ah, c'est 7 plus. Faut pas dire ça en criant. Hein. Le 14 est sorti. Si on fait 14 divisé par 2, ça fait 7. C'est ce que tu as. C'est comme ça, il est. Ouais. C'est pas calculé, ils sont comme ça. Non, faut pas prendre mal. Hein. Il te taquine. D'accord, il est. Je pensais ce que je disais, mais c'est pas méchant. Il met dans l'amusement, sinon c'est la vérité. Le 14 n'est pas sorti. Ça, c'est le 7. 14 divisé par 2. On met Nokia, on ne va pas parler d'affaires et d'affaires. D'accord. Bon, première célébrité, Anaconda. Celui qui a subi polémique. Deuxième célébrité, Morija. C'est une chanteuse chrétienne. Une jeune chanteuse chrétienne. Elle a rempli le palais de la culture récemment. Et puis son gars. Elle a passé un peu polémique. Ce gars, son producteur. Là. Il lui a demandé un mariage. Elle est jolie, celle-là. Il lui a demandé un mariage. Il a demandé un mariage. Il a demandé un mariage. Je suis fatigué, arrête. Et puis troisième, José. À qui tu pourras demander de l'argent? Demander de José. L'argent. Moi, c'est José. Ah, Morija et puis José. Morija, Anaconda, José. Ah, Morija et puis José. Non, c'est José. Et que Anaconda, là, tu n'entends pas. Hein? Morija. Anaconda, lui, c'est qu'il est toisé déjà. Lui, il est loigné depuis José l'argent. Oui. Mais José a l'argent, elle a rempli le palais. Elle a fait conseil à l'hôtel d'Ivoire aussi. Récemment, elle a rempli. Elle m'avait invité, mais bon, vu que moi aussi j'avais des choses à faire, là, tu es parti chez lui. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, elle a dit on va partir manger chez elle. La prochaine fois, on va partir là-bas. Et moi, elle a pas invité au conseil. Elle te connaît pas. Elle te connaît où? C'est moi, elle connaît. Donc, comme c'est une famille, elle pensait que. Non. Elle n'a pas la vidéo aussi. Elle regarde la vidéo, mais puis quoi? C'est moi la star des vidéos, c'est moi ma chaîne. Elle peut nous inviter. Donc, on s'est parti, c'est toi qui as donné le ticket. Ça, moi, ça m'a donné un ticket. Elle m'a donné un ticket de 100 000 francs CFA. J'étais au VIP. Je buvais du champagne, en tout cas. Non, mais champagne, là, c'est moi, j'ai payé. Donc, je ne demande plus l'argent à José, je la toise. Pourquoi? Je la loigne. Parce que t'as payé. Elle m'a fait inviter. Ça va pour elle comme ça. Mais tu sais, quand tu fais un concert, là, tu invites les personnages publics. Elle va t'inviter que tu es qui? Pour venir enchanter son concert. Pour venir enchanter son ma concert. Ma présence spirituelle. Ne serait-ce que ma présence. En tout cas, moi je demande l'argent à José. En plus, la dernière fois, moi aussi. Je suis allé au restaurant avec Marcel. C'est elle qui a payé. Oui, moi elle et puis Marcel. La facture faisait combien? Moi et puis Marcel, on a fait genre, on voulait payer. Pourtant, on voulait pas payer. Mais on a enlevé l'argent. Elle dit non, laissez, c'est votre grosse soeur. Elle a payé. Comme mon papa nous a invité là. Elle est gentille. Elle nous a invité comme ça. Donc voilà. José en demande l'argent. Cette vidéo sera très nulle, mais. Maintenant. Entre Anaconda et puis Marie-Joaquine. Elle s'appelle Morija. Et puis Mori. Entre Anaconda et puis Mori, tu peux avec qui? Tu marches avec qui? Je marche avec Morija. Pourquoi pas Anaconda? C'est que Anaconda porte là. Il ne peut pas marcher avec quelqu'un comme ça. Anaconda aussi est méchant, c'est qu'il porte des... Mais c'est pas ce même chose là vous portez. Il savait que tu avais fait ça. Ça,
C'est un méchant des stars. Non, normalement, tu peux pas me faire ça parce que. Pourquoi? Je suis ton grand frère, même. Faut arrêter. Non, faut arrêter. Tu as vu ce qu'Anaconda quoi, pour faire son émission, il fait là. C'est pas. Il fait. Bobby, il fait chaud dans ton salon, là. Il fait chaud. C'est à vous qui a dit ça. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, j'ai parlé, je faisais ma chose. Anaconda, il porte quoi? Il porte les chapeaux des Russes, là, les chapeaux velours. Il porte les lunettes, il porte des entends ça là, tu sais les trucs d'umbracata comme ça là. C'est dans tout qu'on trouve, c'est une brode. C'est ça que dans brode là, c'est les choses comme ça qu'on trouve, non? Oui. Les chapeaux mais, des soviétiques. Mais brode là, ça quitte. Mais brode c'est combien? C'est les choses, les chapeaux comme ça, c'est les trucs 500. On parle pas de la différence de prix. Hein? On parle de la qualité de ce que vous portez. C'est pareil ou pas? C'est de ça que je parle. Non, mais moi je m'habille sur Asos. Mais Asos, c'est pas pareil, c'est qu'Anaconda porte. Si j'achète cuillère sur Asos et puis j'achète cuillère à la Sikoji, est-ce que c'est pas une cuillère que j'ai acheté? Eh, hey. Je te demande. D'accord, j'ai pris le même exemple. Si tu m'as demandé 500, 500 c'est de l'argent. Si je t'ai donné 50, 50 c'est de l'argent. Est-ce que c'est pas l'argent que je t'ai donné? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pécunière, c'est différent de truc de l'habit. Ou bien? Bon, ok, toi et puis Anaconda, tu veux pas Anaconda, tu le toises, c'est ça, tu marches avec Mori. Je marche avec Mori, Jacques. Comme elle chante Dieu là. Maman dit d'aller à l'église les dimanches. Attends, moi je dors jusqu'à midi. Donc, à défaut d'aller m'asseoir. Moi je suis musulman, donc il marche pas avec Mori. Toi, je suis musulman. Faut arrêter. Papa regarde les vidéos, il est musulman. Ah, en tout cas, à défaut d'aller m'asseoir à l'église, au moins il y a ma chère, quelqu'un qui a me parlé de la parole de Dieu. Tu vois, non? Et puis elle est jeune. C'est pas les jeunes chrétiennes qui portent. Jolie. C'est pas les jeunes chrétiennes qui portent les. C'est très joli. Non, ça n'a rien à voir. Notre maman dit que. Ils pas chrétiens. Ah, la grâce de Dieu. Ils croient même pour Dieu, mais ils sont beaux. On va pas arrêter. En tout cas, elle est très belle. C'est ça qu'elle s'est baptisée avant de se baptiser. Elle m'a pas dit, elle m'a dit c'est baptisée. Notre maman s'est baptisée, elle est devenue chrétienne. Elle s'est baptisée dans l'eau. Confirmée. C'était quoi? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. C'était un fleuve. Elle s'est baptisée dans la lagune. Pourquoi préciser dans quelle eau il est baptisé? Bon, ça là, après ce sont les fétiches, ils vont critiquer. Elle s'est baptisée, elle est devenue, c'est évangéliste, non? Ouais, évangéliste. Elle est devenue évangéliste, une grande évangéliste, hein? Ah non, miracle! C'est pas ton nouveau nom? Non, mon nom Clémence. Clémence? Ah, tu n'as pas changé? Elisabeth 2. Ouais, c'est ça. Ah non, Mira, c'est toi? Donc Mori, revenons à la vidéo. Tu marches avec Mori, tu toises Anaconda. Elle s'appelle Mori Ja. Pourquoi tu coupes Ja là? Ja, Mori Ja. Moi, je toise Anaconda. Anaconda partout, je vais le voir, je le toise. Une fois même, je l'ai croisé au club cigare. Dès qu'il est venu, je suis sorti. Il faisait quoi là-bas? Vraiment, il faisait quoi là-bas? Ça va passer depuis pour le micro aussi. Hein? Il y a fait quoi là-bas? Ah, tu as fait ton confessionnal. Non, non, non. Je suis présentateur sur Live TV, la meilleure chaîne de télé de Côte d'Ivoire. Tu penses que je vais aller dans les émissions braquettes? Toi, sors. Faut aller faire ta livraison. Ton ami, la fois, il dit d'aller à la maison. C'est où on est en train de faire vidéo là, on l'appelle. Moi aussi, pareil. Je marche avec Mori. Mais les gens, elle m'a fait d'abord. Moi, marche avec Mori. Oui, moi, j'aime son affaire. C'est vrai qu'il y a son âge qui joue. C'est pas des postes qui sont comme ça, il est là. C'est comme genre toi sur YouTube, tu vois. C'est un personnage qui joue. Henri, une fois, il dit qu'on entend, il n'a qu'à aller de l'autre côté là-bas sur la terrasse. Tu vois, donc. Tu disais quoi? C'est un personnage qui joue, sinon il n'est pas comme ça. Mais les gens le kiffent bien, moi, mais le kiffent bien. J'aime bien, mais je préfère marcher avec Mori. Parce que c'est qu'elle a l'argent, ça fait un peu, elle est très jolie. Elle s'appelle Mori Ja. Donc, si jamais elle est. Jolie, jolie, elle est jolie, tu dis là. Elle est mariée. Enfin, on lui a demandé un mariage. On l'a demandé un mariage. Tu dois livrer. Mais pourquoi dis-tu que tu dois livrer ça pour quoi? C'est un métier noble. Oui. Hein? Au revoir. Tu reviens. Oui. Manger. Hey, ils ont dit non. Tous tes amis que tu as là, quand ils viennent ici, ils mangent son nom. Que ce soit Izedine, que ce soit Chris. Et Aka aussi. Aka. Et Malik. Moi, je mange avec des sens. Qui mange pas des sens? Tu dis genre Malik mange pas des sens quoi? Ça c'est de la grossophobie. C'est pas de la grossophobie. C'est de la grossophobie. C'est pourquoi il parle. C'est parce que Malik est gros que vous dites ça c'est de la grossophobie. On a dit pourquoi tu aimes faire ça là aujourd'hui? Non mais la grossophobie c'est un délire. Malik, c'est que toi tu penses de Malik, tu as fait du conseil. Non hein?
Est-ce que tu sais grossophobie même c'est quoi? Je sais pas. Grossophobie c'est quoi? Faut nous dire. Grossophobie là. Ouais. Généralement c'est tu détestes les gens qui sont gros. C'est ça qui est vivant. Faut partir au revoir. La suite. On marche avec Mori et puis on toise à la condamne. Et tu demandes l'argent à José. Et puis José là c'est le genre de personne. Si elle te donne l'argent, elle va partir aux gens. Mori aussi. Qui est Mori? Mori Jean. Mori Jean. Hé, hey, les chrétiens, ils aiment l'argent. Ah, c'est... Mais José est chrétienne aussi. Oui. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aime pas l'argent, je suis désolée. Hé, hey, la nouvelle baptisée. On a des aspirations quand même. Ou bien? Mon pasteur, faut tout le monde. Les chrétiens musulmans, tout le monde aime l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu sais chercher. Ça c'est vrai, c'est pas la religion qui détermine le fait d'aimer l'argent. Tu as raison, la bien. Hey! Sandrine Doubli. Béatrice, il peut parler. Dagouo! Bon, vous savez, je pense que ça va être l'une des vidéos les plus nulles. Parce que Kouki est très hiéri aujourd'hui. prochain truc. Gris de NCI. Je connais pas. Tu connais pas Gris? Elle est chroniqueuse sur NTI. En tout cas, Gris. Je la connais pas, oui. Alors, Stéphanelle du Bachelor. Je connais pas aussi. Ruby comédienne. Ruby, tu n'as pas regardé le Bachelor Afrique. Et Joe Williams là. Non. Tu n'as pas entendu parler? Si, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas regardé. Stéphanelle, c'est la finaliste. C'est juste l'acteur principal, là, je connais. Donc, Gris, Ruby, Stéphanelle du Bachelor. Ruby, Ruby a l'auteur de web comédie. À qui tu demandes l'argent, avec qui tu veux être, faut te taire. À qui tu demandes l'argent, avec qui tu veux être influenceuse. Et puis c'est qui tu vas loigner. Puis c'est une jolie femme aussi. Entre Stéphanelle et puis Ruby qui est jolie. Je sais pas. La beauté est relative. Ah, c'est un commentaire là, on va pas arrêter nos vidéos là. La beauté est relative, donc dans l'amour, je sais pas. Bon, est-ce que ça a pas les autres beautés? Ah, d'accord, désolé. Ça a moi, il a posé la question. Bon, je pense que... Ok. Bon, vu que moi, je connais pas deux, je vais être Ruby, je connais. Donc, je demande l'argent à Ruby. Tu demandes l'argent à Ruby. Il y a longtemps Ruby fait vidéo. Je pense qu'elle a amassé assez pour lui demander l'argent. Et vu que... Non, mais cette Stéphanelle même du Bachelor, là. Quand tu la regardes, même tu sais qu'elle n'a pas poigné. Moi, je la toise, mais moi, je vais la toiser. Elle me met ça. Tu la lognes, non. Tu sais qu'elle n'a pas poigné. Parce que Bachelor, même, elle a fait là. Elles sont les appuyées. Mais Stéphanelle même. C'est une camionnaise. Non. Moi en tout cas je demande l'argent à Ruby. À Ruby parce que Gris. Oui, Gris c'est une star, une petite star montante de la télévision. Donc tu marches avec elle. Une petite star, une petite star montante comme il y a longtemps fait. Elle est dans les médias depuis des années. Comme je la connais pas, il faut Non, c'est Gris, c'est pas une petite star. Elle a beaucoup de contacts. C'est pas une petite star, c'est une star tout court. Elle a beaucoup de contacts. Donc la star Gris. On marche ensemble. Et puis elle s'appelle comment? Stéphanelle, c'est ça? Du Bachelor. Stéphanelle du Bachelor. Mais pourquoi c'est mon famille comme ça? Sur ses réseaux, elle a mis Stéphanelle du Bachelor. Tellement elle veut pas qu'on l'oublie. Tu vois les gens qui ont fait une émission de télé, puis ils ont peur de tomber dans l'anonymat. Stéphanelle du Bachelor. Edith, pour rappeler que. C'est comme si moi. On dit. C'est comme si moi. Bédaz à la tape. C'est comme si moi, mais demain tu t'appelles comment? Et puis je dis Kevin de Live TV. Kevin de YouTube. Ou bien Kevin de YouTube, tu vois. C'est ça? Les gens qui ont peur de tomber dans l'anonymat comme s'ils étaient nés. Droba de Côte d'Ivoire. Non, c'est ça. Rihanna de ouais. En tout cas, moi je fais photo. Bon, non, on n'a pas dit photo. Faut rester concentré. On dit on marche, on toise et puis on demande l'argent. Moi je demande l'argent à Ruby. Et puis elle s'appelle comment? La petite Gliss. La Gliss. C'est pas la Gliss, je marche avec elle parce qu'elle a beaucoup de contacts. Et puis Stéphanelle, je la toise. Moi, je demande l'argent à Ruby parce que Ruby, on fait YouTube, elle a l'argent aussi. Donc, je lui demande l'argent à Ruby. Et puis, comme on est camarades, et puis Ruby, elle est sur Facebook, Twitter. Elle connaît ma bouche. Je pense que si je lui demande l'argent, puis elle raconte aux gens, je vais faire 10 vidéos sur elle. Donc, je demande l'argent à Ruby. Gliss, je marche avec elle. Comme on est deux professionnels des médias, elle est animatrice, je suis animateur, elle est chroniqueuse. Tu es chroniqueur. Je suis chroniqueur. Bon, je suis journaliste, elle n'est pas journaliste. Je suis présentateur. Donc, qui s'assemble? Journaliste. Elle n'est pas journaliste. Journaliste. Elle n'est pas journaliste. Elle est journalière. Tu es journalier. Ça fait rider. Ça va, oui. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc mais est-ce que vous avez le même plumage? Donc, d'accord, donc je suis pigeon et les oiseaux.
Le pigeon, c'est quoi à la base? Le pigeon, c'est un oiseau. Mais pourquoi tu veux forcément faire quoi qu'à la même? Hé, hey, vidéo, ça l'a eu. En tout cas, excusez pour cette vidéo nulle. Excusez-nous. On est fatigué et puis voilà. Voilà, c'est la fatigue. Bon, comment elle s'appelle? Du bachelor. Stéphanelle, franchement, je la loge. Dubé. Parce que moi, déjà, même, j'ai du mal avec les gens de télé-réalité. Parce que les gens de télé-réalité, là. Oh, tu parlais. Tu voulais faire la télé-réalité. Tu as dit ça aux gens. Faut laisser parler. Ok. Les gens de télé-réalité, là, c'est des gens qui. Mais tu voulais quand même faire la télé-réalité. Il faut dire. Il faut préciser. Parce que tu veux venir les critiquer. Pourtant, tu m'avais dit l'émission de live, la télé-réalité de live, j'ai oublié. Tu voulais être dedans. Inside. Ça. Jamais de la vie. Je t'ai dit qu'on m'a contacté pour Inside saison 1. Je travaillais même pas encore sur Live TV. J'ai kiffé Inside, mais c'est juste que je voulais pas être dedans. D'accord, donc les gens étaient là. Parce que mon rêve là, mon rêve c'était pas de faire de la télé-réalité. Mon rêve c'était de faire de la télé, mais en tant que journaliste ou présentateur. C'était pas de faire de la télé-réalité. Aller dans une télé-réalité pour te clasher avec les gens. Et puis vendre. Je veux. D'accord. Les gens de télé-réalité, tu parlais. Stéphane, les gens de télé-réalité, là, c'est des gens qui sont avides de gloire, de notoriété. Mm-hmm. C'est des gens, quand ils dorment, ils se lèvent et ils veulent que être connus. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu vois, non? Mm-hmm. Donc, je ne peux pas marcher avec les gens comme ça. Mm-hmm. Parce que c'est les gens qui vont tout faire pour te mettre les bateaux dans les roues, juste pour eux être au devant de la scène. C'est vrai. Parce que comme ils ont fait une seule émission, l'émission est finie, ils ont peur qu'on les oublie. Donc, ils vont tout faire pour rester dans la sphère médiatique. Comme maître du bachelor après son prénom. Non, le bachelor là, Joe, il était un peu connu. Tu dis comme maître du bachelor après son prénom. Stéphane du bachelor. Ah, comme maître du bachelor. Mais il faut dire. Bah, tu n'articules pas, hein. Si, j'articule, c'est toi qui n'as pas compris. En fait, sur cette vidéo là, je ne sais pas si on est en train de faire sport ou bien sur la télé tous les jours. Récapitulatif, regardez-nous quand même, hein. Moi, je fais amitié avec Gliss. En plus, Gliss, là, à chaque fois qu'on se rencontre, on fait ça va, ça va. Et la dernière fois aussi qu'on l'a croisé, là. Tu mens, tu l'as jamais croisé. Mais pourquoi tu me mentis? Mais toi aussi, il faut arrêter. Blago, les gens, on va avancer dans la vidéo. Donc, voilà, je fais. Et tu marches avec Gliss, tu demandes de l'argent à Ruby, et puis tu toises du bachelor. Et toi? DJ Congélateur. Ouais. Rocky Gold, Annabelle à la Mexicaine. À qui tu demandes l'argent, avec qui tu deviens ami. C'est difficile. Parce qu'un DJ congélateur et puis Annabella, il sait pas. Je peux pas demander l'argent à DJ congélateur, je peux pas être son ami. Quelqu'un qui s'appelle DJ congélateur. Non, attends. Y'a qui Rocky Gold, il demande l'argent à Rocky Gold, je crois que c'est une amie. Il demande l'argent à Rocky Gold. Moi je demande l'argent. Tu peux pas marcher avec Annabella. Je demande l'argent à Annabella. Annabella va te faire fort. Oui. Mais au moins Annabella pourra te donner. Annabella ressemble à quelqu'un qui a un peu de poil. Non, Annabella a poil, pas elle ressemble. Non, Annabella n'a pas poil, poil, si. Poil. Annabella n'a Annabella pas poil. Annabella vit dans le deuxième arrondissement de New York. Annabella vit pas à New York. Hein. Ah, oui. Annabella est quelque part aux États-Unis là-bas vers la frontière du Mexique. Mm. Hey! Tu sais pas ce qu'il s'appelle Annabella la Mexicaine ou quoi? Vers la frontière du Mexique. Quand Annabella a fait ses vidéos, même sur le quartier là, c'est que donc, autoroute. Toi tu dis quoi? Je demandais l'argent à Annabella. Mais Annabella va te faire fort. Annabella fait toujours vidéo où elle se va travailler. Tu vois, non? Elle a toujours son badge autour de son cou. Donc, Annabella peut avoir l'argent sur son compte en banque pour me donner c'est l'argent. Vrai. Tu m'as influencé. Moi aussi. En tant que Rocky God, là, elle a combien de prestations? Non, mais non, faut arrêter. Au moins, elle est artiste, elle se débrouille, ça va. Elle a chanté quoi? Moi, je connais pas, c'est juste comment. Elle a chanté. Je sais pas, je sais plus. Hein. Tu vas circuler, circuler. Ils vont t'entendre. Mais tu es malade, ça, c'est José. Fais plus sain. Comment tu peux comparer Rocky God à José? Arrête. On fait rien, ça. Ça, c'est José. Rocky God, là, elle a chanté un truc. Elle a chanté un truc, là. Comment ça s'appelle? J'aime bien même. Dans la sauce. Mm-mm. Dans la sauce. Mm. Dans la sauce. Ah, tu as changé, copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Moi, j'écoute pas les trucs comme ça, je connais pas.
Mais tu vois, c'est le genre. Son nom est connu, son nom est médiatisé. Mais... C'est le genre d'artiste. Oui, en fait, tu connais son nom, mais tu connais pas son visage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le genre d'artiste. Dans sa tête, elle est Mariah Carey. Tu vois? Genre, la voix, elle est venue à la télé, elle est rentrée en salle de maquillage. Elle n'a pas salué les filles. Elle n'a pas salué les animatrices qui étaient là. Elle n'a pas salué les maquilleuses. Alors que gros. Moi, je connais même pas son visage. Ces filles-là sont beaucoup plus connues que toi. On connaît leur visage plus que toi, en fait. Après, c'est comme ça, les gens sont. Donc, je l'aime pas trop. Bah, surtout que sa carrière est en déclin. Non, ça va aussi. Hein? Bah, si, disons non, les choses. Non, pas, non. Regarde, c'est pas t'es calmé. On est juste venu dire si ça. Ah, si. Arrête, sa carrière est en c'est déclin. C'est pas en déclin. Elle va faire sortir son. De pas longtemps. Justement, elle a fait sortir ses restes en sa main. C'est resté en sa main comme Cole Fort. On ne peut pas arriver. C'est que tu fais ça. Oui, bon. Faut arrêter. J'aime te jouer le beau samaritain. Pourtant, quand on coupait mais... là. Ça va faire froid là. Et si les gens qui n'aiment pas, il y a froid. Mais moi, mais je l'aime pas. Rocky Gold, on marche ensemble. Maintenant, Nabila demande l'argent. Dis c'est congélateur. Mais c'est quoi, il chante? Il est là pour quoi? C'est qui qui est le congélateur là même? Henri Jo, c'est toi qui le connais. Tu parlais de ça la dernière fois. Je vais définir sur l'instant. C'est un gars. C'est bizarre. C'est pas pour s'exprimer. Moi. Et il chante? Il chante? Oui. Oui, elle a demandé à Henri Jo. Il a dit qu'il chante. Il y a un caillou dans les oreilles. Il chante quoi? Il y a un caillou dans ton. Ah ouais? Peut-être que Willy de Mou va pas le recevoir. Je pense que Willy l'a déjà reçu. Ah. Non, mais après, c'est un vrai personnage, le DJ congélateur. Non, est-ce que c'est un personnage? C'est la vérité. C'est comme ça, il est ou mais c'est un personnage. Non, mais en tout cas, c'est un personnage de télé, quoi. Donc, c'est normal qu'on le reçoive, tu vois. En tout cas, DJ congélateur, non. Il sait pas ce qu'il fait, ce qu'il chante, je sais pas. Mais en tout cas, je demande l'argent à Annabella, la mexicaine. De toute façon, si Annabella me donne son argent, ou bien Annabella ne veut pas me donner son argent, si Annabella veut me faire fort, c'est pas pour déposer caméra à la frontière du Mexique pour m'insulter. On est habitué. Tu peux marcher avec. Je marche avec DJ congélateur. Je préfère marcher avec DJ congélateur. Un DJ qui se cherche dans la vie. Un DJ qui est parti de rien pour avoir un nom. Qui, grâce à son nom, est reçu sur tous les plateaux, les plus grands plateaux, comme William dit. Et puis, je l'honne. C'est trop qui gold. Elle est très guérie. T'as pas de soucis. Prochain. Mais toi, tu as dit quoi? Au suivant, c'est la même chose que j'ai dit. Non, moi j'ai dit je marche avec Rocky Gold. Toi, DJ congélateur. Et puis, c'est bon l'argent à Nabella. Emma Lewis, Brezinger, Fanny G. Fanny G, je la connais pas. Fanny G. Je connais pas. Je m'en irai loin de toi, je arriverai. Sans couper à toutes celles qui te disent je t'aime. Mais je ne connais pas son visage, je n'ai même pas cette vidéo. Depuis, c'est un seul son qu'a pris. Non, elle a beaucoup de sons. Bon, c'est un seul, je connais ça, je ne connais pas. Tu pensais que je ne me resterais là. Moi, je suis. Moi, Emma Lewis. Oh, je mets Emma Lewis, je ne la suis pas. Je ne connais pas tout ça. Mais elle me plaît à l'hôtel, elle était à Rafat, tout ça. Elle est à Rafat après. Et puis, elle est montée. On ne peut pas dire qu'elle est restée en bas de l'échelle. Elle s'est créée elle-même son propre business. Et puis, elle a pris. Elle est femme d'affaires, elle est tranquille, tu vois. De ce qu'on voit, en tout cas. Donc, Emma Lewis, je marche avec parce qu'elle peut apporter aussi du développement. Brezinger Girl, elle me plaît bien aussi. Elle me fait rire. Elle est très drôle, la petite là. Donc, Brezinger Girl. Je lui demande l'argent. Maintenant, Fanny dit, je l'invite à mon mariage. Moi, pour venir prester. Je demande l'argent à Fanny G. Pourquoi? Parce que Fanny G, c'est une fille qui a rempli le Zénith. Elle a rempli le Zénith. Hey, elle a rempli le Zénith. Elle a rempli l'Olympia. Non, non. Zénith d'Adjafou. Zénith, c'est où? C'est Paris. Donc. Je demande l'argent à Fanny G. Parce que voilà, elle a une grande carrière. Et puis c'est Fanny G quoi. Je la connais. Pourquoi je la connais? Je marche avec Brezinger. Parce qu'on s'entend bien dans la vraie vie. Et puis je loigne Emma Lewis. Parce que Emma Lewis, normalement, c'est à elle-même je dois demander l'argent. Mais c'est le genre de personne, quand votre amitié se gâte, elle raconte tout ce qu'elle a fait pour toi. Donc, autant rester sur mes arrières. Et puis demander l'argent à Fanny G. Prochain, non, tu n'as plus, non? Joe Williams, lui qui a fait le match. Oui, je donné sa tête. Grand P, Ariane Céleste. Je demande l'argent à Joe Williams. On dit que
ses parents ont l'argent. Pour lui, même, c'est un homme d'affaires. C'est pour lui le cavalier de l'autre. Toi, tu connais grand-père. Tu connais René Grand-père. Grand-père à quel âge? Tu joues, ouais. C'est que tu dis, on dirait que tu m'en peins. Parce toi, tu que joues, ouais. Les deux fois où grand-père. Papa, attends, même, attends. Les deux fois où grand-père est venu à la télé, là, il est venu avec. Tu vois les voitures qui sont comme armes, là. Faut pas jouer, hein. Et puis, il était au milieu de voitures, là, comme ça. Tu as dit que. Grand-père, c'est un babaché. C'est pas, faut pas regarder ni sa taille ni sa manière de parler. Il a beaucoup d'argent parce que déjà, il vient d'une famille noble. Ça fait un, comme Joe Williams. Et puis de deux, il a amassé encore de la fortune au fil de sa carrière musicale. Grand-père a amassé quelle fortune quelque part. C'est grand-père chante quoi? Toi, Bosch, ok. C'est bien de manquer là. Il m'a manqué. Attendez de manquer. Non, je me moque de sa carrière. Oui. Donc, grand-père, grand. En tout cas, grand-père, je ne sais pas où il est levé, mais grand-père a beaucoup d'argent. Donc, faut des cadeaux. Attends, je ne me moque pas de lui. Faut des cadeaux. Je me moque de sa carrière. C'est pas bien. Il y a grand-père, il y a Joe Williams et puis Agui. Et puis Ariane Céleste. Ariane Céleste, elle me plaît. Hé, Ariane Céleste, là-même, je suis allé la dernière fois au Bushman. Je l'ai vu, elle fait comme s'il n'est pas vu. Il était un master. Mais pourquoi elle est venue? Elle s'est levée, elle est venue, mais on ne se connaissait pas. On ne s'était jamais croisés. Pourquoi? Je t'ai dit que dans le showbiz là, faut toujours laisser tes collègues venir à toi. Si tu vas vers eux, ils peuvent te faire fort. Donc elle est venue, on a. J'ai dit, ah, elle a dit tu es ma star, je dis toi, mais tu es ma star. Non, elle me plaît trop, c'est là. Trop... On a fait un peu d'hypocrisie là, et puis. Ouais. Mais elle est gentille. Oui, elle a l'air gentille. Et puis elle est belle. Tout ça. Ariane Céleste. Mais en tout cas, pour mes intérêts, moi je demande. Bon, laisse moi, je demande. Moi je demande la. La vidéo, elle est mélangée. Un, c'est faut pas chic. Le deux, je me laisse pas parler. Oh. Non, si ça va, elle est pas fait. Parce que c'est pas chic même. Et puis encore, quand je veux parler, tu coupes. Si tu me coupes, coupe. Je demande l'argent à grimper. Faut te calmer. Je demande l'argent. Mais pourquoi ton visage est serré? Hein? Faut sourire, sourire, parler. Fais un petit sourire à la caméra. Hein. C'est ma caméra, si je veux, je souris, si je veux, je souris. D'accord. Toi, je demande l'argent à grand-père. Oui, grand-père. Je sais pourquoi, faut te calmer. Grand-père, tu vois comme ça, il ressemble à rien qu'avant. Demander l'argent, c'est une fois, non? Oui. Voilà. Je marche avec Joe Williams. Pas même si ses parents ont l'argent, lui-même, il est homme d'affaires. Et puis, il doit avoir beaucoup de contacts. Donc, les contacts, là, toi, tu veux même les contacts, là, pour faire quoi? Parce que quand on a parlé de glisse, tu disais la contact. Les contacts aussi. C'est pourquoi? Aïe, pour moi-même. Pour faire quoi? Si tu marches avec les gens, c'est important aussi d'avoir des contacts, on sait jamais. Le carnet d'adresse, le carnet d'adresse, c'est très important. Quand même. Ouais, n'est pas carnet. Lui-même, il peut te mettre aussi dans ses affaires. Donc, tu marches avec Joe Williams. Voilà. Et puis, Ariane Céleste, je ne peux pas dire la toise. Genre, on fait photo, bien fait tout. Non, on choisit. Bon, il y a la toise. C'est pas grave. Tu la lonnes. Il la lonne. Moi, je demande l'argent à Joe Williams. Je marche avec Ariane Céleste. Parce qu'il y a un marché, un grand pays. On parlait comment? On va se comprendre. Vous allez vous comprendre. Alors, ça là. Je peux pas. Et puis, il y a ma chère Ariane Céleste. Et puis, grand-père. Je n'ai rien contre lui, mais je le toise. Parce que grand-père, même là. Quoi? Ah, allez. Mon frère. Il faut arrêter ça là. Oh, c'est pas méchant. C'est pas comme ça, il parle. C'est comme ça, il parle. Vas-y, c'est méchant. Prochain, il n'y a plus d'eau. Tu veux te débarrasser de la vidéo là? Oui, c'est pas Chico. C'est comme ça. Chacun dit pour lui. Et je marche avec Ariane Céleste. Parce qu'elle est influenceuse comme moi. Et puis Ariane Céleste, là, contrairement à ce que les gens disent, moi je la trouve drôle. Sérieux. Oui, elle est très drôle. Je trouve qu'elle est drôle en fait. Yerim Bakayoko, Bobrisky, Naya Kabel. Bobrisky là. Naya Kabel, c'est la Toti là, non? Naya Kabel. La Toti métisse là. Mmh. Bonsoir les frères et les soeurs. Attendez, viens m'asseoir. Viens m'asseoir. Ça, c'est type ça que nous, en fait, de ton jogging là, il y a pas de problème. Ça va quoi? Pourquoi vous faites ça? Il faut m'envoyer chocolat. Tu dis quand tu quittes encore, c'est pas les courses que tu viens faire. Et puis ça, pour mon avis, pour partir. Il va te donner. Non, il va même pas. Tout mais, maman, tu vois comment nous raillons. Tous mes habits, elle a pris là. Tu es devant la caméra. Viens m'asseoir au milieu. Mais faut t'asseoir si c'est moi ma chaîne. Non, moi, je vais m'asseoir. Faut t'asseoir là-bas. Mais c'est elle qui est là. C'est elle qui est la femme, mais c'est moi ma chaîne. Faut venir t'asseoir au milieu. Ok. C'est elle qui est la femme, mais c'est moi ma chaîne. Ça, tu as levé ça. Non, parle de ma mère. De parler de ta mère. Est-ce que nous rappelons ça? C'est un t-shirt mon ex m'a donné. Maman. C'est ça que tu as dit. Ton ex peut te donner un t-shirt de ce genre.
C'est pas, je te parle plus, hein. Sinon, maman, tu sais, regarde, vidéo, là, va confirmer. Maman, tu as qu'un bon ex qui peut te faire. Oui. La fin n'est pas, je dis. Elle t'a fait, Bonsoir tout le monde. Hein? On dit que tu marches avec Bobrisky. Le garçon qui est devenu femme au Nigeria, qui est millionnaire, qui fait un dessin. Tu sois entre Bobrisky, Naya Kabel et puis Yerim Bakayoko. Avec qui tu veux marcher? Tu marches avec qui? Avec qui? Tu demandes l'argent à un, puis tu lognes un. Qui tu veux lognier? À qui tu veux demander l'argent? Naya Kabel. Naya Kabel, c'est qui? C'est l'attentif qui a fait prévenir. Iwasado! Mais qui Iwasado? Non, attends. On dit Naya Kabel, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est la tante qui a fait prison. Parce qu'elle a fait prison, moi, selon moi, elle ne devait pas aller en prison. Oui, c'est selon truc. Mais et puis Naya Kabel, là, ce n'est pas la prison qui l'a démarqué. Allô, papa. C'est sa carrière. En fait, il y a papa qui est en train de faire vidéo. Ah. Mmh. Ah. Allô. C'est quoi qui a fait ça? Il est obligé de vous. Hey. 1 100 000. Bon, il te rappelle, Tu mentais. Juste parce que tu avais caméra. 1 100 000. D'accord, je te rappelle, il n'y a pas de souci. Tu as envie de parler de Willy? Papa, elle a compris. On a entendu ce qu'il a dit. Il a dit faut bien écouter. Il a dit faut bien écouter. N'est pas dit 1 million. Il dit 45 000. Il a dit 45 000. Bobrisky, Naya Kabel, Yerim Bakayoko. Tu demandes l'argent 1. Tu marches avec 1, tu lognes 1. Bon, Bobrisky là, je vais le logner. Parce que ça, c'est il est millionnaire. Oh, il est millionnaire. Son anniversaire là. Tu as vu l'argent? Non, c'est que ça lui a demandé l'argent. Ah, ok. Je vais demander l'argent à Bobrisky. Je vais marcher avec Yerim Bakayoko. Parce que Yerim Bakayoko, le Côte d'Ivoire ici, il a beaucoup d'influence. Et puis, on dit relation est mieux que diplôme. Où je suis là, j'ai les diplômes, mais je ne travaille pas encore. Donc, je vais marcher avec Yerim Bakayoko. Et puis, je vais l'emmener la petite là. Je l'aime. Bon, Naya Kabel, c'est une très grande chanteuse. Ah, mais elle a plus l'argent, mais... Elle a là, tu fais quoi? Elle a des... Mais c'est quelque chose, c'est moi, je connais son compte en banque. Elle a des... Mais elle a foison dans toute Abidjan. Là, c'est son petit bruit. Dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. Moi, je demande l'argent à Bobrisky. Parce que les gens comme Yerim Bakayoko, là, leurs agents ne sont pas. Ça, il a dit Bobrisky, je demande l'argent à Bobrisky. Parce que Bobrisky, là, faut juste lui dire tu es belle. L'argent va sortir, tu vois, non? Maintenant, Yerim Bakayoko. Bon, je vais le loigner. Moi, je vais marcher avec Naya Kabel. Pourquoi? Elle va m'apprendre beaucoup de choses de la vie. De quoi? Le conseil du showbiz, parce qu'elle est dedans il y a longtemps. Yerim Bakayoko là, c'est le genre de personne, tu as marché à lui, je ne le connais pas, mais je me dis que les enfants de boss comme ça là, tu as marché à eux, ils vont toujours te rappeler que ils ont l'argent que toi. Mais quand tu vis là, ça peut... Non, ça dépend de... Moi, je ne peux pas être roupé. Mon caractère fait que vous me connaissez, mon sang tourne vite. Il va me parler mal une fois, deux fois. Mais qui a dit va te parler? Tout le monde n'est pas comme toi. Je dis, je sais pas. Mais pourquoi t'as payé ta l'argent que l'autre tu as lui parlé mal? Tout le monde n'est pas comme lui. Comme lui, il est comme ça. Quand quelqu'un marche à côté de toi, tu lui fais fort chaque jour. Tu penses que tout le monde est comme toi? Attends, tout le monde n'est pas comme toi. Tout ça, c'est pour que Yerim Bakayoko t'appelle. Pourquoi? C'est pour faire jouer. Moi, je truc. Moi, on appelle ça comme moi-même. Je demande l'argent à vous. C'est le téléphone de qui sonne là? C'est pas ici. C'est pour nous. Faut aller couper. Ici, là. Ça fait rien. Pour qu'il faut parler ça. Faut parler. Il fait chaud. Il fait trop chaud. Non, il fait chaud d'ailleurs. Tu veux t'apporter plus. Ah, tu es méchant. Non, allez-y dans la chambre. Non, on a fini même. On a fini. Bobrisky. Après, on fait un moment. Il vient d'arriver là, c'est fini. Bobrisky. Bobrisky demande l'argent. Yerim Bakayoko, je marche avec. Puis Naya Kabel, je lui fais un bisou. Tu lui fais un bisou. C'est l'honneur, on a dit. Moi, je si c'est ça, moi aussi je reprends. Ah, non, je demande l'argent à Bobrisky. Je marche à Naya Kabel. Yerim Bakayoko, je lui dis je salue ta maman. Nous tous on va faire ça aussi. Donc moi je marche avec Bobrisky. Je demande l'argent à Bobrisky. Je marche à Yerim Bakayoko. Je demande à Naya Kabel de faire mes cheveux. Pourquoi de faire des cheveux? Elle n'est pas quoi? Chacune a choisi. Chacune. Bon, on va dire chacune comme notre question, c'est quoi? C'est fini. Pourquoi? Voyez, je vais essayer de faire ta avant, vidéo. Non, avant Bobrisky, là, vous avez fait. On a fait beaucoup. Non, pardon, on dit un. On a fait 10 congélateurs. On a fait Anaconda. José. Et puis Brésil. Non, et puis... non. Oh, attends. Oh, Noura, faut pas nous fatiguer. Et puis Fanidji. Fanidji, c'est qui? Tu vois qu'il la connaît pas. Anaconda, Morija, José.
Morija, la chanteuse chrétienne. Oui, elle a accordé. Ah, d'accord, dans Morija, José. Oui. Je demande l'argent à José. Tu marches avec Anaconda. Je marche avec Anaconda. Oui, Anaconda. Il donne, c'est bon. Anaconda a fait plus d'un mois sur sa pépé. Et si WhatsApp. Tu as mis Anaconda sur ta pépé WhatsApp. Il n'a pas vu. Mais c'est, je m'écris. C'est quand tu écris que tu vois ça. Mais on est dans la même maison. Quand tu écris, vous êtes quoi? Ah, donc je peux pas te plaindre de ne pas avoir vu. Mais on peut mettre Anaconda sur pépé WhatsApp. Oui. C'est mon crush. Vraiment, souvent il y a des gens qui ont étoile, tu comprends pas c'est quel genre d'étoile. Donc c'est un gars big up, Anaconda, si tu me vois. Bon, c'est tout. C'est merci. Tout, on a terminé. Merci, c'est la fin de la vidéo. C'était la vidéo la plus nulle de ma chaîne. C'était tout pour la deuxième, pour le deuxième épisode de la saison 1 des stars. Vraiment, faut faire politique, faut pas faire animation, parce que tu es très nul. Voilà, ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas surtout de commander les mèches de Ayo Luxury. C'est ça même. Attends, il y a même ma publicité en même temps. Ayo Luxury est là. Il n'y a pas son deux habillés ici. Tu veux mèche de qualité, son brésilienne, son composé. Tu n'as pas coupé. Non, elle ne veut pas Gojo. Tout ce qui est bon là, c'est ce que la dame elle veut. Elle ne veut pas que les mèches, elle fait les ongles, elle fait le massage, elle fait le soin des visages. Elle dit que sa boutique est grande jusqu'à. Les meubles. Donc, pour vous, mettez la note en caisse, vous allez aller payer vos mèches là-bas. C'était ça. Au revoir.